Après 2 années de festivités en distanciel, crise du Covid oblige, les nuits du Ramadan reviennent en présentiel à travers une programmation originale où se mêleront Eud et polyphonie corse. L'occasion pour l'Institut français du Maroc de faire découvrir au public pendant 2 semaines des sonorités harmonieuses et ancestrales. Le duo Titi Robin et Mehdi Nassouli a livré une performance vendredi soir au Riad Sultan de Tanger. Une lecture musicale de guitare et de gembri avec leurs univers esthétiques de culture franco-marocaine. Écoutons à ce sujet Olivier Galland, directeur de l'Institut français de Tanger de Tétouan, et Titi Robin, musicien. Nous organisons avec l'ensemble des autres instituts du Maroc, donc les nuits du Ramadan. Il s'agit de la 16e édition. Ce soir, nous avons accueilli Titi Robin avec Mehdi Nassouli, une formation musicale, mais également poétique. Les deux se répondaient l'un et l'autre par à la fois guimbri et guitare. C'était évidemment une belle soirée et ça sera l'occasion de poursuivre ces nuits de Ramadan d'ici quelques jours avec Guillaume Lacoste qui viendra jouer à Riad Sultan. Nous sommes très, très heureux d'avoir présenté ce spectacle à Tanger. La dernière fois et la première fois que j'avais joué ici, c'était il y a 18 ans avec la danseuse indienne Gulabi Sapera. Et j'en ai profité aujourd'hui pour revisiter des lieux que j'avais visités à l'époque. Et donc, c'est comme des retrouvailles avec la ville de Tanger. Et c'était donc un grand plaisir de le faire aujourd'hui.